Donc le concours s'adresse à des jeunes de moins de 23 ans qui sont dans leurs premières années de formation. C'est pour montrer leur savoir-faire, montrer que dans nos jeunes, il y a des jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent montrer que leur métier les passionne et cette passion est transférée par la réalisation d'un chef-d'œuvre, on peut dire d'un chef-d'œuvre. Et là, on a la chance d'avoir Clarisse qui est actuellement apprentie à Comquier, chez Flora, chez Capucine, qui a franchi les trois étapes, puisqu'il y a quand même trois étapes, le départemental, le régional et le national. Donc départemental, cette année, je crois que vous étiez 11 à vous présenter. 11 jeunes à se présenter. Il y a eu des médailles d'or, des médailles d'argent. Les médailles d'or vont ensuite, et les argent vont régional, et les médailles d'or régional, concourant national. C'est-à-dire, ce sont les meilleurs de chaque région qui ensuite se retrouvent au niveau national. Et cette année, le national a eu lieu à Angers, donc c'était lundi dernier, c'est ça? Lundi, à Angers. Et vous étiez donc, tu dis? On était 16 concurrentes sur tout. D'accord. Donc il y avait 6 Vendéennes, 6 Vendéens. S'il y avait un garçon, Simandéenne, donc qui était présente à cette finale. Et la Vendée a vraiment été très bien représentée, puisque trois ont obtenu le titre de meilleur apprenti de France. À la Charmille, nous aurons l'honneur de remettre leur diplôme à la Sorbonne au mois d'avril 2021. Ben, j'allais pas au je allais au départemental pour me faire plaisir et pas forcément dans l'optique d'aller aussi loin. Et c'est vrai que bah, le fait d'être allé aussi loin, ça fait plaisir d'être récompensé par le travail qu'on fait. Et c'est agréable pour nous de voir autre chose, ce qu'on fait en boutique, c'est différent. Et c'était une très belle expérience de vivre ce concours. Franchement, moi j'ai regardé de loin parce que je n'avais pas le droit de rentrer. Je trouvais qu'il y avait des belles créations, hein, des belles réalisations. Mais comme à chaque fois, je trouve, je pense que ça excelle. Enfin, les gens vraiment se... Voilà, donne tout ce qu'ils ont de mieux. Il y avait vraiment du haut niveau.